Merci en pile. Merci en pile. Avec moi en ligne, économiste Eddy Laboussière. Avec économiste là, on va regarder dollar comme produit transversal. Devant on a parlé de dollar, on va dire ça, dollar son produit transversal. C'est un produit transversal, je l'ai dit. On va regarder ça avec économiste Laboussière. Économiste Laboussière, bonjour, ma content fait-il parler avant matin, on booster. Allô? Samo, est-ce que j'ai mis Samo? Allô? Oui, Kounia Mdando. Merci beaucoup. Comment est-ce? Napkembe doucement. Napkembe? Oui, très doucement. Merci en pile, parce que d'accord, fait-il parler avec nous dans le booster. Nous allons regarder ça matin. Hein? Question oui. Dollar. Dollar, son produit transversal. Dollar monté, tout produit a monté. L'air dit un produit transversal. Livre dit qui ça? Bon, c'est-à-dire que si son produit transversal. Transversal veut dire son produit traverse toute économie, hein, donc ou pas qu'à en passer de lui dans transaction, directement ou indirectement. Même les gens disent que bon, ça vend, on dit que voilà son produit, il vend 500 gouttes. Mais comme la plupart des produits sont des produits importés, mais et, ou payer, les gouttes là dépréciées. Malheureusement, il n'y a pas bonifié, il n'y a pas prêté. Donc son produit transversal, dans ce sens que tout produit passé. Et comme si nous avions le dollar sur le marché international dans le secteur énergie, son produit transversal, tout, parce que c'est toute transaction sous produit énergétique, c'est en dollars, au fait, c'est pas fait ni en euro, ni en yuan. Donc, on va retrouver trace dans toutes les transactions, et comme ça, nous avons dit. Très bien. Directement ou indirectement. Même le dollar parle en mot. Oui. Mais comme il parle en mot, il est comme s'il est en mot. Parce que plus on fixe les prix en gouttes, plus on base sur le dollar. Donc, c'est dans ce sens d'Acadie, son produit transversal. Maintenant, quand on a parlé de dollars, moi, je me rappelle de la musique, on chantait haïtien, on chantait 25 gouttes de dollars US. C'est pour dire, on chante, on chante, on chante, on chante, pardon, c'est good. Depuis qu'il est, et sous qui base, nous avons décidé de faire 5 gouttes pour un dollar? Bon, ça a une dimension historique très, très profonde. Et vu que ça m'a prêté ma terre, comme besoin de solide, c'est depuis l'occupation américaine, il y a eu mes dollars avec gouttes là. 5 gouttes pour un dollar. Et là, il vient dans l'année 90, eh bien, nous commençons par avancer de biens et services. Dès qu'on exporte, nous n'avons pas qu'à exporter, en particulier le bauxite, en particulier et des durines dès qu'on exporte. Donc, au fur et à mesure que la balance commerciale là, est déficitaire, donc, il est détaché informellement, parce que pas que nous communiquons les États haïtiens dans les années 90, en début des 90, qui c'est pas 5 gouttes pour un dollar, non? Pas de bon communiquer son façon de facto et ou une création marché informel là, il faut voir que ce n'est pas 5 gouttes pour dollar, là, là, je ne pas faire un dollar ou j'ai le 2, le prendre les conséquences de 6 gouttes, 7 gouttes, 9, 8 gouttes, 9 gouttes. Mais ce n'est pas le gouvernement qui peut communiquer pour dire que désormais, ce n'est pas 5 gouttes pour dollar, c'est réalité économique là. Une capacité de production a baissé, eh bien, informellement, gouttes là, une commencer à détacher de dollars là, c'est plus 5 gouttes pour dollar. C'est juste dans les années 80, nous avons bénéficié de ce dollar, mais à partir de 90, comprendre, donc, la gala vient baisser. Alors, évidemment, c'est politique qui fait que, qui crase l'économie. Hein. Donc, nous commençons avec, et comme tu as dit ça, et changer, taux de change, taux a changé. Comprendre, donc, au fur et à mesure, la déprécier 5 gouttes, 6 gouttes, 7 gouttes, 9 gouttes, 10 gouttes, jusqu'à ce que je dis arriver dans la tête chargée de venir là. À partir de qui, là, si je me décadais le conseil, question 5 gouttes pour un dollar, elle ne reflète pas la réalité, nous encore. Bon, à partir du moment que l'économie a vraiment perdu capacité de production et d'exploitation, nous sommes à la fin du depuis le régime du Valier 86, nous commençons perdu. Parce que nous perdons en pile de rail. En 86, c'était un paquet d'entreprises. Par exemple, chez les sous-routes aéroports, dans le secteur de la sous-défense, c'était une entreprise qui fait balle de baseball pour toute équipe de baseball aux États-Unis à cause de désordres politiques qui sont dans la rue, où ils ne savaient pas de donc, l'argent, ça n'a pas rentré. C'est un gros l'argent de lié. Donc, il y a un secteur, premier secteur frappé, c'est le secteur sous-traitance-là, secteur et entreprise et textiliaux. Donc, il y a une perte, pas deux mondes qui perdent du emploi. Ça a plus de 80 000 emplois oui, dans le secteur textile. Là, je n'ai pas même 30 000. Et nous commençons à perdre là, avec la crise politique. Là. Vous comprenez? Donc, souvenez, toute faiblesse au là, avant d'être économique, les politiques, ces crises politiques-là, qui ont créé crise économique-là, qui fait que nous n'avons pas qu'à produire. Et dans le cas qui était pays, donc, vous
connaît que si dollar rentre dans le pays, hein, donc, c'est normalement écoute là déprécier régulièrement. Gagne un terme ou bien un concept qui est important moins et c'est et politique monétaire. En gagne une lecture sous politique monétaire gagne rapport avec stabilité prix, emploi, taux d'échange avec financement bancaire dans pays. Qui lecture parle de politique monétaire nous en Haïti et surtout dans moment n'a parlé là. Politique que l'on économique, une politique budgétaire, une politique fiscale, une politique monétaire. Politique fiscale et politique et budgétaire, c'est gouvernement. Et politique monétaire, là, c'est attribution fondamentale de toutes les banques centrales, pas banque centrale haïtienne seulement, de toutes les banques centrales sur la terre. Il y a une politique monétaire et finalité politique monétaire, ça, c'est arriver à stabiliser les prix. Évidemment, en Haïti, on mettait stabiliser la goutte. Maintenant, l'autre économie, va garder monnaie, de stabiliser les prix. Immédiatement que le prix a stabilisé, mais monnaie a stabilisé tout. Donc, c'est ça. On y a, c'est Banque Centrale qui conduit la politique monétaire. Là. On y a question, vraie question avec l'instrument, parce qu'on ne peut pas dire qu'on met dans la politique monétaire, on ne peut pas instrument. Banque Centrale haïtienne, d'un coup, toutes les banques centrales du monde disposent d'un paquet d'instruments. Et il y en a là-dedans qui est privilégié. Énormément, c'est à dire l'opération open market. C'est-à-dire que lorsque monnaie nationale a perdu valeur, mais le gouvernement et la Banque Centrale mettaient sur le marché devises-là. C'est ça qui arrivait chaque fois que le goût de la perte du valeur, où la Banque Centrale est intervenue, la vente dollars. Et qui est-ce malheureusement, qui est-ce Castelli, c'est pas le grand public, c'est pas tout le monde, ce sont les banques commerciales. C'est là que le bas blesse, vous comprenez? Donc, il y a l'autre instrumental, pas seulement que, et que les possibilités de mettre une partie de réserves à disposition de l'économie pour permettre que la monnaie nationale le point de force il y a l'autre instrument, où on peut gagner les coefficients de réserve obligatoire. Donc, on va jouer sur lui, parce que les banques commerciales recevront un dépôt, mais une bonne partie, il y a le dépôt dans la banque centrale. Donc, on va faire un genre qui sent un dollar un petit peu plus haut, des choses comme ça. Il y a l'autre instrument, quoi. Il y a l'instrument, le taux directeur. Bon, malheureusement, le taux directeur de la Banque Centrale haïtienne, c'est un faux taux directeur, parce qu'un vrai taux directeur, c'est le taux avec lequel la Banque Centrale prête de l'argent commercial, alors qu'on est en Haïti, la Banque Centrale va prêter de l'argent à la Banque Commerciale. Vous comprenez? Donc, on essaie de jouer sur taux directeur, ça, pour la sécher liquidité sur le marché. Comprendre donc, on ne peut pas qu'il y ait un instrument que l'on permette de conduire politique monétaire. Il n'y a pas oublié que finalité politique monétaire, c'est ça qui est intéressant, qui est intéressant, qui est intéressant aux auditeurs. Attendez là, l'homme en politique monétaire dans tous les pays de la Terre, c'est stopper l'inflation. Pas quitter, prix monter, parce que depuis le prix a monté dans l'économie, sans problème pour tout le monde. Parce que le pouvoir d'achat a perdu, et le président a perdu. Et perd du pouvoir. Regardez actuellement, il y a une élection qui va le faire, mi-mandat, qui va le faire aux États-Unis. Le premier ou deuxième critère peuple américain, c'est l'inflation. Donc, il faut stopper. Et qui est-ce qu'il l'a pour stopper? Dans un premier temps, c'est la politique monétaire, avec l'autre politique là dans tout. Mais c'est politique monétaire à travers la Banque Centrale là pour stopper. Prix qui a augmenté dans l'économie, parce que personne n'a aucun coin de la terre content que le pouvoir d'achat, je constate que le pouvoir d'achat a baissé. Matin, dans notre dame, on a acheté 50 gouttes. Radio Omega. Waouh! Ça va être terrible. On a pas acheté 50 gouttes, il y a 500 gouttes. Eh bien, dans tous les pays du monde, ni gouverneur de banque centrale, là, ni président de la République, s'il parle dans l'élection, il va passer non. Mais comme Boris est passé dans la tête, on va prendre un gueule là, ce carré là. Et pendant ce temps, la population a vraiment. Vraiment dans une situation compliquée, pouvoir d'achat n'a pas existé du tout encore. Mais tu as véritablement un peu de chagrin. Ben, quand si tu as gardé ça, tu as gardé l'instrument politique monétaire. Ou tu as comparé, c'est vrai, aux États-Unis, Fed, par exemple, il montait taux directeur pour décourager mon fait crédit. Et qu'en Haïti, nous-mêmes, en fonction de ça, nous gagnons en réalité pas nous. Nous pas gagne même réalité avec you. Qui sont pensés nous t'a fait cette analyse instrument you? Bon, instrument n'a pas fait utiliser. C'est un instrument qui est appliqué dans un pays normal, ou dans un pays normal. Je dis là, et la Banque Centrale Américaine, on doit prendre tout directeur de la Banque Centrale, dans un temps, on l'a ajouté un point de pourcentage, deux points de pourcentage, ou bien réduit selon que le besoin politique et de crédit expansionniste ou respectif. Ça dépend de la direction économique. Il y a eu, c'est bien stimuler l'économie. On va pouvoir baisser ce directeur-là. Et là, baisser ce directeur-là, pas oublier, nous avons là qui est fondamental. Le taux directeur, c'est le taux avec lequel la Banque Centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Donc, depuis le baisser, lui, eh bien, on est obligé à baisser le taux d'intérêt, la caille, débiteur et créditeur. Donc, l'orienter l'économie, le fait que le baisser, lui, immédiatement, le baisser, lui, dit, bon, il faut baisser partout. Parce que c'est la même, on vient de prêter l'argent, c'est une baisse, c'est l'obligé de baisser par là. Et depuis le baisser, lui, tout,
Donc, immédiatement, on va pouvoir que y ait moins d'investissement. Vous comprenez? Et parce que c'est ça, c'est chômage, parce que c'est pas bien un gros pays, ça, on habite avec faire l'inflation. L'inflation, d'un côté, c'est le chômage. Où on doit gagner un petit peu plus d'inflation, mais baisser le chômage, là, inversement. Radio Miguel. Les mécanismes ont toujours joué dans la grande économie. Mais l'économie haïtienne, non, son économie n'a pas existé. Son économie, mon pays, qui a failli. L'on vient voir appliquer un instrument, ça n'a pas qu'à bon résultat. Qui instrument vraiment que la Banque centrale a utilisé là pour permettre lui soit baisser les prix, soit stabiliser le groupe là. Il n'y a rien. Regardez, je dis, on a parlé là, le taux d'inflation est à 29-30%. Il n'est pas normal, ça veut dire que la Banque centrale haïtienne, c'est comme s'il n'avait pas existé, non. Ou pas qu'à dépôt existe, ou à travail, ou à mener politique monétaire, si je dis, on tombe à non seulement tomber à 30%, et probablement mois prochain, hein, c'est chiffre bien bagaille établi, ou après arriver à 40%. Parce que mon apprenant, puis à augmenter, on va un économiste pour constater ça qui a passé. La CAO seulement, constater ça qui a passé. Ou sentir que prix a augmenté, et mais job Banque centrale, c'était baissé pour eux, mais stabilisé ou pas fait. Mais à quoi sert la Banque centrale? C'est la grande question de te poser. À quoi sert aujourd'hui la Banque centrale haïtienne? On va regarder ça avec vous. On va regarder ça avec vous. On va demander qui sort la régler. Il va régler. Bon, lui fait ça le capable. Je ne suis pas capable de lui mal. Il fait ça le capable. Il y a un contexte vraiment délétère. Il y a un contexte de ça, la dominance fiscale. Tu as tué la Banque centrale. La dominance fiscale, c'est tout le temps l'État central là, bien intervenu, du monsieur, aidez-moi. Il a aidé sur une quantité de corruption qui a passé tout. Parce que bah, vous pas fait la transparence. Vous comprenez? Donc, vous êtes gêné. Même si vous êtes capable de l'emboîter, mais vous êtes gêné avec la politique et budgétaire du gouvernement. Ce qu'on appelle la dominance fiscale. Vous avez dit, faites tel bagage. Parce que pas la Banque centrale haïtienne, non. Il n'est pas indépendant. Tant que la Banque centrale des États-Unis, le président des États-Unis n'est pas foutu le gouverneur de quoi que ce soit. Non. Alors qu'en Haïti, les gouverneurs, pas même le président, le ministre des Finances, dit à mon déficit là, t'as des corps, on a des manifestations, des grèves, là, je vais rentrer dans la caisse l'État, des gens, ils gagnent l'argent, la droite va gagner, mon cher Sok pour avancer. Il va qu'à dire non. Aux États-Unis, il va qu'à dire non. Mais ici, il va qu'à dire non. Parce que c'est un bientôt là, sous bêtise après tu mets dans l'autre. Comment si tu dois aller déjà, parce que le mandat n'est pas fini longtemps. Ma dième écrit, moi, mes amis, sont le plus gros problème qui arrive au pays d'Haïti, pas un parlement. Parce que si le parlement est là, tu as pris toute équipe de la Banque centrale à poser une question sur ce affaire-là. Les gens n'ont pas senti le bon contre-être dans la tête. Ils vivent dans la tête, ils ne comprennent pas. Les gens viennent prendre pouvoir, ils ont un problème, puis ils n'ont pas une capacité pour résoudre le problème, ils n'ont pas un pouvoir pareil. C'est ça, haïtien, comme ça, je vais définir haïtien. Soit ils veulent mettre ton nom de tête, soit la présidence, soit la primature. Ou garder situation, même l'on a une capacité pour faire bonne lecture, il y a des hommes qui ont des gens qui ont écrit sur les web, comprendre. Et moi, je dis, non, je ne vais pas le poste là. Quel que soit haïtien, il leur dit, mais pour ça, à prendre. Et moi, je n'ai pas une capacité pour résoudre. Je ne vais pas continuer de casser ça, la constitution haïtienne. Je ne vais pas avoir le dire à quelque part, oui. On n'a pas une capacité de compétence, ou pas une capacité pour mettre une équipe en place, pour colter un problème au pays, ou venir prendre pouvoir. Mais son crime lié. Je te donne l'eau devant la justice. Parce que la situation va vivre quand même. Même l'eau pas de café, on va mettre une équipe solide, qui va faire une bonne électricité, ou pas faire, ou elle est petits amis. Et puis pendant ce temps, il y a disparaître l'homme nous là. On ne sait pas si on est encastré dans la constitution du pays, ou même pas qu'on a quelque part dans les lois de la République. On n'a pas une capacité, on n'a pas une compétence pour mener peut-être à ta brune. Donc là, on le sens sur question ça. Est-ce que là, je parle de politique monétaire et économie slaboussière, je n'ai pas besoin de tout un système, l'aime d'un système de personnalité dans des institutions qui là pour faire appliquer le cas d'Haïti. Côté yo. Radio Omega. Bon, je vais finir dans des questions. Bien. Moi, je dis que ça, là, je parle de politique monétaire. Je parle de politique monétaire là. Moi, là, dans tout un système des institutions, si je prends le cas pour Haïti, côté institution Mounsayo, côté institution, côté Mounsayo, qui a doué justement à travail sous politique monétaire là, pour au moins aider à gérer l'inflation. Radio Miguel. Eh bien, vous manquez, il y a un gros problème, c'est la gouvernance. La gouvernance, le pays a perdu sous les 4-5 niveaux de gouvernance. La gouvernance politique. Ni pays n'a pas gouverné ensemble ça. Il n'a pas ni administré ni gouverné. La gouvernance institutionnelle n'a pas existé. Il n'y a pas qu'une institution qui est là. Et au-delà de l'institution, il faut faire des bons paquets de loi. Il faut renforcer les banques centrales dans le tout de moyens au point de vue légal.
Par exemple, on fonctionne la Banque centrale, qui c'est la supervision des banques privées, mais elle manque d'instruments pour faire supervision. C'est rare, c'est une seule fois dans l'histoire monétaire de ce pays, dans les banques centrales, qui ont fois sanctionné une banque, alors que les banques font bonne transaction, qui n'est pas normal. Mm-hmm. Supervision banque centrale, et immédiatement découvre ça, pour sanctionner, son seule fois, les banques centrales défensives fort, lui sanctionner une banque avec une autre banque m'a changé. Donc, c'est pas normal. Donc, les institutions ne sont pas là. Loi de la République, il manque. Par exemple, je dis à tout à un marché financier qui a fonctionné normalement, faut avoir, et non seulement l'autorité de la concurrence, parce que j'ai l'impression qu'il y a un temps dans le pays, pas seulement dans le secteur bancaire, même dans d'autres secteurs, par exemple, vous avez l'impression que c'est avec la commentaire, il faut avoir l'autorité de la concurrence pour gérer ça. Et en plus de ça, il faut avoir ce qu'on appelle le gendarme du marché qui a veillé. Ou pas quand je dis à mes vélandis, c'est le moment de mon paquet de corps pour service, c'est fait depuis de temps pour faire bail, pas grand monde qui a l'autorité de la concurrence qui a géré bail ça, ou bien le gendarme du marché. Ou pas quand lever, je dis à, ou allemand dans service, dans banque, ou bien l'argent en banque, ou mandé par exemple là, ou relevé bancaire, ou mandé un paquet de commandes dans l'américain, alors que c'est comme au grand qui a bail banque, qui a permis la banque à faire l'argent. Il faut d'abord l'autorité de la concurrence, premièrement. Le gendarme du marché, deuxièmement. Et troisièmement, renforcer le pouvoir Banque centrale, là, de façon pour mener la politique monétaire correctement. Le pas normal, c'est Unibank avec notre banque qui a baissé le taux d'échange là. Le taux de référence à la Banque centrale, ben, ça, son rentre lié, oui. C'est un seul taux moyen de ça qui passe sur le marché. Non, et par contre, ça, vous déterminez le taux de référence à la Banque centrale là. Bon, l'autre façon, les gens qui passent l'école, TEO, ils ont trouvé comment. Évidemment, intérêt n'est par contre, peut-être intérêt n'est pas. Parfois, quand on pense que l'église saute, c'est pas saute, c'est intérêt à la défendre. Il compte tout ça pour le faire. Donc, tout amène les politiques monétaires, puis il y a un bon bagage. Il y a un bon bagage qui empêche que la Banque centrale mène les politiques monétaires correctement. Une première bagage, c'est le gouvernement qui mettait mon nom là. C'est le président qui mettait lui, c'est le monde qui mettait lui, qui est redevance à lui-même. Donc, il est obligé à payer à sa mon nom. C'est ce que j'appelle la dominance fiscale. Donc, il est obligé d'être là pour financer le déficit budgétaire du gouvernement. Dans un doigt, en tant que gouverneur Banque centrale, mais du gouvernement, monsieur, comment ça se passe? Déficit budgétaire, dégager au réseau, dégager, faire la douane, bon, l'argent avec DGI, ou bien encore implanter la réforme fiscale. Voilà ce qu'il va falloir faire. D'un gouverneur, d'un président, ça assure le président, nommons l'autre gouverneur. Implanter la réforme fiscale. Nous avons tous les gens pour mener la réforme fiscale. Immédiatement faire la réforme fiscale, vous faites l'État au cas de 300 milliards de gouttes. Vous voyez, sous faire réforme, c'est par exemple sous contrebande seulement, vous devez avoir à peu près 500 millions de gouttes. Et 500 millions de gouttes qui perdent ou 22 dollars sur les marques perdus chaque année. Mais si on fait la réforme fiscale, on peut récupérer l'argent. Évidemment, il faut un gouvernement qui a une certaine légitimité. Donc, il y a tant de gouvernements qui ont une légitimité, qui ne sont pas contestés. Même le gouvernement, le dernier président que nous y est, même s'il a un pouvoir légitime, mais à la fin, tellement de contestations, il a perdu légitimité. Ça. Donc, il faut avoir un gouvernement légitime. Nous allons faire une bonne élection, toujours une élection tête chape. Et c'est ça qu'on va faire là encore. Très bien. Ou alors, on sait que nous sommes dans le secteur privé, financer le président, et puis depuis que nous sommes montés au pouvoir, nous ne pouvons pas payer de taxes encore. On va passer la donne avec conteneur, lui, et puis l'aucun belli, je me suis dit, ah, mais monsieur, je ne vais pas payer, non. Je dis, l'autre dit, et pour ne pas payer, pour qu'il ne soit pas payé, je me suis dit, je me paye déjà. Il paye depuis la campagne, là. Depuis la campagne, président, le Donc, maintenant, loi électorale, la question à poser, non, va être loi électorale, ça va être bien passé, mais là, donné pour empêcher que les gens ne viennent financer des gens qui parlent président, mais limite, que les gens financent un parti politique. Les gens sont limite. Maintenant, loi électorale, il faut résoudre la question. Ça, la question qui est posée avant d'arriver sur la politique monétaire, là, et pour qu'il y ait un gouverneur, c'est le président qui met elle. Qui analyse Très bien. Le fils de Cobb, d'abord, il s'est ouvert avec lui. Comment il était qu'à dire, même d'un gouvernement, d'un centre, d'un gouvernement, d'un gouvernement, d'après, il va faire un avion, il ne pas qu'à financer le déficit budgétaire. Sous besoin, l'argent, mais ça vous fait. Mais puis, j'ai mené une réforme fiscale là, pour l'argent, il y a un caisseau, pour pas besoin de demander, pour un plan s'habiller à faire l'argent pour vous.
mais il y a pas de personnalité, il y a tout sans personnalité. Il y a pas capable. Qui analyse ou fait? Qui analyse ou fait économiste Labossière sous ensemble mesure BRH prend de temps à autre pour injecter plusieurs millions de dollars pour capable baisser dollars par rapport avec Goud là. Bon, ça c'est pas. Là vous n'avez honte monsieur. Là vous n'avez honte frère. Il y a un peu de temps. On fait des là. On met les politiques ça depuis des années. C'est l'argent à gaspiller. En tout cas, c'est l'argent à vous et les amis. Objectivement, dans le même cas, avant, c'est de l'eau à vous faire un cadeau. L'on mettait 1 million, 10 millions, 15 millions, 150 millions de dollars. Tout le monde compte ça d'ailleurs. L'on 2-3 jours, banque commerciale, bon supplie de liquidité en goût. Ils ont ramassé l'argent. Et puis, le goût de la continue à dépérer. Donc, même le monde central était d'optique, on ne peut rien raconter qu'il y avait une faible bagaille. De toute façon, tu sais qu'en Haïti, il y a une relation très forte entre la politique et l'économie. Très forte. Mm-hmm. Et même mesures, ça y est, les mesures économiques, mais c'est surtout des mesures politiques. Pour que ça aille brusquement, ouais, Goudla a commencé à apprécier. Ouais, elle a un objectif politique d'elle, probablement pour désamorcer le mouvement populaire. D'ailleurs, intelligent, pas sourire, frère. Pendant parler, on va faire parler là. Une bonne belle bagarre, c'est un gars qui te l'attendait, il ne faut pas occuper, il compte tout ça pour le faire. Il attendait de nous arranger, Pierre. Mais il y a, voilà, c'est désamorcé, désamorcé, mouvement dans la rue, là. Le mouvement régulier, il est capable de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les ministres, il est capable de prendre. Il est capable de secteur et oligarchie qui a payé le pays depuis des salles jusqu'à nos jours. Il est capable de prendre. Évidemment, si vous avez des leaders conséquents dans la technique, ça n'a plus de problème au gain, parce que vous avez l'impression que les leaders ont des petits vagabonds. Il y a un problème. Puis à l'âge, nous avons Miami, nous avons Port-au-Prince, nous avons le Santo Domingo, et puis au fini. Vous comprenez, c'est ça que l'entête, ce n'est pas des necks qui vraiment à faire une transition de rupture pour nous venir avec un autre pays, une autre société, pour nous redémarrer. Puis il y a malheureusement, c'est des mondes qui ont gain. Et je me parle de tête, on est capable de capacité ça. Nous avons un problème leader. C'est ça. Donc, quand il y a son banque centrale à faire, c'est tout ça parce qu'il fait déjà. Pas oublier sous gouvernement et Jovenel Moïse, c'est une situation côté Goudla. Chaque fois que Goudla a franchi barre sur ces camps-là, la population a campé. C'est ça qui est là. Les campés, quoi, ou bien le campé, ou bien le campé. Il y a déjà anticipé là. Les cap et marché à droite, cap fait fortune sur marché à l'oligarchie, cap fait fortune dans le secteur bancaire, dans le secteur d'importation, cap fait fortune sur le peuple haïtien. Depuis où est goût de la franchise 150, il faut jouer grand mat, on tente de lever, pas 150, encore 60, oubliez sous Jovenel, puisque mon temps de le tomber à 60, après il vient stabiliser à 72 gouttes. Et bien, les gars, c'est un mouvement populaire qu'elle fait. Et mon voix populaire menacé, pour qu'il s'allie et goût de l'apprécier rapidement comme ça. Parce que pour c'est le m'dabal gadavola. C'est ça m'dabal gadavola. M'dabal d'où que 7 août 2020, BRH injecte en série l'argent. Il fait plusieurs fois. Même rappelé 7 août là. 22 août avant hier. Il fait même bagaille là. Il baille conférence pour annoncer que vous prenez décision là pour injecter 150 millions et que là-dedans qui déjà injecté. Si vous faites 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois, vous n'avez pas de résultat. Pour qui ça nous continue à faire? Qui ça nous en tête? Yo? Ça a bousqué. Un bon tour est réponse là. Et la réponse, c'est pas une réponse économique parce que l'on fait injection ça. On a fait injection ça longtemps. Et mais chaque fois, on fait lui. La seconde leçon à tirer. On va gagner un bon bagage là pour essayer de comprendre, parce que c'est la première fois. Et on a fait lui. Donc, vous avez appris de mauvaises expériences qu'on fait pour qu'ils soient insistés. Pour qu'ils soient insistés, ou bien qu'on est. Dernièrement, Goudla, lundi, sorti à 155 gouttes, descend à 120 gouttes. Ce n'est pas injection là que tu fais. Mais pour te prix, ça pas maintenant, on n'a pas une capacité, parce que sans c'est con et complice, mon zayo. Qui fait qu'elle descend aussi rapidement, parce qu'on n'aura jamais vu, même dans l'histoire monétaire du monde entier, une correction du marché aussi brutale, aussi élevée. C'est ce qu'on appelle une correction du marché. Les marchés à son marché qui respectent toute rationalité, toute règle de marché, y compris et la loi de l'offre, la demande du marché. Et les marchands doivent arriver à corriger cette ligne. D'une façon, c'est ce qu'on appelle la main invisible. Du marché qui permet de corriger le marché, mais ce n'est pas une correction du marché. En tout cas, c'est une correction du marché. Le marché a eu longtemps, un déséquilibre entre goût des demandes là, et qu'on a abus qu'il a fait, et puis il décide de corriger cette ligne. Et puis il sortit de 150 gouttes, descend à 120 gouttes. Mais ce n'est pas une correction du marché, c'est pour un hasard.
Parce que le marché de champs haïtiens n'est pas oublié, n'est pas oublié à la logique, le jeu de l'offre la demande. Ce n'est pas parce qu'il y a un bon de monde qui a besoin d'importer, ce n'est pas parce qu'il y a un paquet de monde qui a besoin d'exporter et à la République dominicaine, délocaliser l'entreprise, un paquet de monde pour dollars qui fait ça. C'est des nègres dans le secteur privé, bancaire là, et le secteur privé à tout court, vous savez, des oligarques qui, justement, à bas marché à droite, ils ont certainement la durée, ils ont intérêt en jeu parce que la population s'occupe pour le prendre. Ah oui, parce qu'ils ont décidé qu'on y a descendu à 120 gouttes pour dollars. C'est une décision, c'est parce que les nègres, c'est spéculation à faire. Mm-hmm. C'est pas leur bon prix dollar là par rapport à gouttes là, c'est pas le vrai prix. Son faux prix lié, c'est le prix spéculatif lié. Mm-hmm. C'est pas le vrai prix. Très bien. Donc, quand il y a l'air et la population, quand on a l'air, il y a perdu tout. Quand il y a résigné, il y a couru descendu. Il y a pris le dernier bord de 3 jours, puis il y a manifesté sur une fête. Après, il ne peut pas tourner à 150, 160, 170, 200 gouttes pour dollars. Qui vraie raison? Je connais ça, perdu, je dis à côté de Walgain. Qui vraie raison, M. Labossière, qui rend que dollar mouté et que les économistes n'ont pas la question de demander qui ça nous a fait là pour qu'on plus ou moins stabilité. Il y a ces productions nationales là, il faut nous investir, il faut nous faire ceci, il faut nous faire cela. Dollar monte, elle était 150 goud. Et que avant même BRH annoncer mesures, comme la tête déjà baissé par rapport avec des mouvements politiques, par rapport à des manifestations qui ont fait, avant même mesures BRH là, avant même injecter 150 millions. Radio Mika. Bon, go, ça économise ça, dit là. Il répète ça qu'en livre. Okay. Et c'est ça qui fait en réalité tout. On peut le monde national à forte, la force sur une production. Il faut une production, non seulement pour satisfaire la demande intérieure, mais pour exporter, c'est l'Europe exporter, l'Europe qui est devise. Mm-hmm. Pour exporter vers les États-Unis, par exemple, l'Europe monde sous détention, c'est dollars, euros et bayo. Donc, il y a l'industrie textile qui est en Haïti, si on garde l'industrie textile, c'est dollars, euros et bayo. Parce que exporter produit à. Donc, si vous n'avez pas de production pour exporter, c'est normalement de l'or. Ça, vous dites vrai. Mais sauf que vous n'avez pas besoin de dire. Là, il faut qu'on ait plus courage pour dire. Il faut dire que l'oligarchie, le bon secteur privé dans le pays, qui a fait spéculation tout. Ce n'est pas seulement et production pour gagner exportation pour dollars à gagner fort. Mais si vous avez fait spéculation, là, vous avez joué sur taux d'échange. Ce n'est pas mieux de ajouter. Et vous n'avez pas de dire libre. Pour des raisons que vous avez avec l'équipe pour nous. Donc, il y a même l'autre monde qui est un petit peu plus bagarre et qui a parlé de ça. Il connaît tout, il pas connaît, il pas connaît. Pas parce que n'est pas connaît, il connaît tout. Mais il n'y a pas de toute parole. Donc, ça que je veux ajouter, c'est que dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui ont droit de net sur l'économie pays. Il y a des gens, tout avantage, c'est pour eux, même dans le gazoline. Regarde ça qui passe dans le gazoline. Regarde ça qui passe dans le gazoline. Le gazoline, c'est un bon exemple. Il faut une maille. Ça paye, ça aille, comment son petit coup. Qui prend en otage. Vous comprenez? Mm-hmm. Gasoline dans ce gouvernement qui mourit, le président mourit. C'est le secteur, c'est jusqu'à présent, c'est l'État qui a contrôlé, le président qui mourit, le secteur privé. Mais le secteur privé a pris le gasoline, pas ça le fait avec lui. Pas ça le fait. Il dit que c'est temps pour vous le vendre. Il dit non, il faut créer ça par vous. Mais ça, c'est le secteur privé haïtien. C'est ça lié. Le gars, lui-même, c'est temps sur chaque baril, il faut le faire temps. Il ne peut pas accepter de faire une centaine, deux centaines sur chaque baril. Il faut le faire un dollar presque. Mais c'est ça, pays à oui. Mais qu'on y a. C'est ça, c'est un petit groupe monde qui prend le pays qui a créé toute situation. Ça y est. Donc, Kounia, je dis, ouais, peut-être la veut prendre la rien, mais les gars, là, qui tu laisses, les gars, bon, 120 gouttes pour dollars, peut-être demain, on va avoir 100 gouttes. Si manifestation continue, dans nos négociations, évidemment, ce n'est pas une façon de faire. Ça va qu'à le bouler, bon. Les banques qui vont être là, pour qu'ils soient bien boulés. C'est un pays du monde, on va fermer toute banque. Ma profite pour un message par un politique qui dit qu'il va bouler tout le banque là. Il n'y a pas besoin de bouler. Il n'y a pas itinéraire. Parce que c'est un rare pays au monde. Si vous fermez toute banque économique pour continuer à fonctionner, évidemment, vous fermez. Vous voyez tout le monde à retirer comme vous. Parce que il n'y a pas itinéraire. Il n'y a pas besoin de bouler. Il n'y a pas itinéraire. Il n'y a pas utile. Il n'y a pas crédit. Il n'y a pas itinéraire. Il ramasse le pain national. Il servit tête avec amis, avec famille. Regardez pour le dépôt gagné dans les banques commerciales. Il n'y a pas 15% des dépôts sous forme de crédit à l'économie. À peine. Vous comprenez? Alors que l'autre pays qu'on est jusqu'à 60-70% des dépôts sous forme de crédit. Mm-hmm. Parce que par exemple, vous voyez dit ça, vous voyez un message à un politique qui dit qu'il boule. Il n'y a pas besoin de le bouler, frère. Il n'y a pas étudiant. C'est vous-même qui vous venez pour mettre en plus changer gouvernance pays. Qu'on y a pour qu'il y ait des véritables banques qui prêtent l'argent. On va bien bouler. On va utiliser rien, frère. Très bien.
qui véritable relation gagne entre BRH avec banque commerciale et monsieur Laboussière, puisque nous connaissons un paquet de banques ou pas senti pouvoir BRH vraiment gagne sous yo, alors que un paquet de maisons transfert, un paquet de banques qui fait transaction et que véritable lieu c'est pas fait transaction, changer dollar, vendre dollar, c'est pas dans mission yo. Voilà, non seulement pas dans mission yo, ou pas ouais DG il paraît parce que DG il va les là on patente pour faire pour je pas ben on patente il achète de l'avant mais comme si on vient en market ouais mon n'a acheté de l'avant les gars on market les gars on patente pour faire market là c'est pour acheter des produits pour revendre qu'on y a ouais le bon petit bureau qui a acheté de l'avant et bon DG il pas paraît il dit oh pas quand on patte barré comme ça ou elle paye pour son fait là radio les gars font paquet l'argent et comme si l'autre est garanti le transfert. Et bagages, ce n'est pas des bagages qui véhiculent normalement. La transformée par mon cash, tout le temps. Donc, Banque Centrale, déportée par les événements, évidemment, il n'y a pas suffisamment de cadre légal. C'est pourquoi je parle de cadre légal. Il faut modifier le cadre légal. Banque Centrale a un mobile plus de pouvoir. Il y a un paquet de monde sur le marché qui a fait transaction en dollars. Est-ce que le monde ne reconnaît pas ou pas qu'on est? Soit dans le secteur informel qui vraiment pèse un poids lourd chaque fois que le coup de la passe. A fait gros appréciation ça y a pas de monde qui contrôlait y a pas contre ça y a fait donc faut banque centrale dans un cadre légal qui permette de rentrer toute institution ça y a et pour mettre au pas comprendre d'un côté de l'autre côté par exemple dans des banques centrales la cali en direction que la supervision bancaire bon bagage ça c'est pour bagage qui était de fait là son bagage qui était de fait là grande transparence oui son bagage qui était de oui, attendez, non, mais ça est important, faut qu'il y ait plus de transparence, la supervision bancaire l'a faite, parce que l'on y est long, banque, elle fait supervision bancaire. Soit une banque là pour l'argent, il n'est pas obligé de prendre l'argent sous mon nom, ou on des banques pour retourner l'argent là, maintenant. Ça dit qu'on te fait payer, pour des services non rendus, supervision bancaire, là, c'est de ça. Monsieur Laboussière, bon, mon seconde, vous m'entrez avec un collaborateur, puisque vous pompe cap prend du fait là, les gars, les représentants danger sous bon repos à Fritzson ou là? Moi là, Ovanès, moi là. Expliquez-nous, ça qui passe, ma prenne un pont dans bon repos qui a pris du fait là. Bon, ça qui passe, depuis aux environs de 4 heures, nous avons remarqué, les gens qui nous trouvent signalés chaque matin, depuis aux environs de 4 heures, depuis qu'il y a une machine, et bien, qui est retrouvée en bas, pompe et DLC, là, en cas où bon repos, pour une bonne zone, ça vient exactement dans l'employeur. Et gaz donc, tu commences à distribuer aux environs de 7 heures, comme ça, et comme ça, c'est tout. Et on mélange, on sort des mélanges, on sort des machines, galons, et puis, sorti côté ouais li éclaté a qui sac bail li continue à propager dans le peuple.
Radio Omega. Voilà. Et économiste Labossière, m'espérer. Oui. Et merci beaucoup. Son pompe, on pompe DNC dans bon repos qui éclate là. Dix faits à propager. M'espérer bilan, c'est pour quelque temps encore parce que nous pas capables de guettant et bail bilan. Oui, ou t'as dit nous que c'est gouvernance là pour nous manger. Oui, c'est pas seulement gouvernance, c'est un pays à refaire. Si on parle de gouvernance, il faut refaire la gouvernance institutionnelle dans ce pays, pas une institution qui a marché. Que ce soit la présidence, que ce soit l'exécutif, la présidence, que ce soit judiciaire, que ce soit le parlement, institution ou pas là. La police, pas une institution, donc il faut refaire là. Nous échouons au point de vue institutionnel. On parle par exemple de banque centrale, mais on paquet de structures vous mettez en place. La gouvernance économique pays, le gendarme du marché, il faut avoir l'autorité de la concurrence et autres. On paquet de bagailles pour faire. Et au point de vue politique, on a parlé tout à l'heure de loi électorale là qui permettent de prendre quantité comme vous voulez, mais mon gabine fait don, ensuite elle fait pour elle faire mon salaire au bail au passe droit. Et au niveau taxe pour payer dans le pays, on va payer taxes. Donc c'est tout, même la gouvernance environnementale, il faut refaire, parce que le pays n'a pas qu'à une couverture végétale de seulement environ 2% qui était. Même la gouvernance sociale, c'est quelque ONG qui fait social pour le ministère des Affaires sociales, pas qu'à faire lui. Donc c'est tout bagaille ça. Au sud des pays, ça, mais c'est avant d'acheter dans toute une table, comme dans le congrès de l'OKL, on va faire la guerre d'indépendance pour nous tout de suite, on va définir ça, on a fait avec IA. Et on a essayé de faire ça avant, parce que depuis le pari, lui, c'est le chef, et là, il prend le pouvoir, il va le remettre. Même là, c'est de facto, il prend le pouvoir, il parle, le pape même aussi à lui-même. La culture de peuple. Et c'est ça qui a détruit. C'est sa culture. La culture l'a perdue. C'est culture qui a tué nous là. Très bien. Comment refaire ça? C'est très compliqué. Son résultat pour une révolution. Même pas qui est ce monde qui a instrumentalisé la révolution. Vous voyez qui est? Pas un monde, non. Qui sont pensés qu'expliquent? Blanc fait carré, pas seulement Pépin. Oui, bon, c'est ça. Il y a des gens qui ont agenda blanc tout. Et appliqué. Qui sont pensés qu'expliquer que l'économiste Labossière? En dans banque là, pas gain dollar, devant banque là, mon a frotté dollar dans figi moun. Non, parce que c'est ça, parce que banque ça parle du mais comment pour vendre dollar? Et même j'ai un gazoline dans tout, et même logique, comment est-ce qu'il est logique ou quoi? Même gazoline, même pas question posée pour dollar, elle pose pour gazoline dans tout. Dans pompe là, pas gain gaz, en bas pompe là, mon a vendre gaz dans galon. Mais n'a pas gaz parce que pas lié sont pas capables de même bagarre là ou ils viennent dans bagarre là si négligemment d'eau soit l'achetant d'eau là on d'eau là en banque là bon ils ont rapproché le même c'est plus gros que taux banque centrale là mais deux à banque bail comme ça non même c'est trois fois taux et bien on était à mandoli la parole donc même les qui gagnent l'argent dans banque là mais banque là bien intérêt ben les deux avant les mandoli c'est que ça il y a ils sont un peu informels et gon l'autre réalité gon l'autre réalité de kagade et monsieur Labossière. On a une ligne dans la banque, nous 4, nous 5. Moun qui devant, on l'a pour le déposer $1,000 sous canel dans la banque. Moi-même qui devant, là, c'est $400 pour le retirer. Yo dit pas gagner. Mais non, il va baoul. Il va baoul. Non, dans la commande dans la banque. C'est pour la même raison. Yo. Mais, traiter question ça, c'est la même raison. Hein. Vous comprenez? Ou bien, comme la banque, on ne va pas baoul. Le fonds n'est qu'à prendre un taux très élevé, et bien, il y a baoul. C'est banque pas oublié que plus gros problème on gars l'autre problème on gars avec banque qu'on va souligner on banque par définition son seul bargain pour faire c'est l'intermédiation financière c'est quoi l'intermédiation financière l'homme on vient déposer un cob là caillou ou pour un cob là au balance d'intérêt l'argent sort ou bah il y a crédit il faut prendre un intérêt crédit donc on vient un taux débiteur créditeur différence là c'est le couvrement des profits banque là banque ici si ne pas faire ça il va pas bailler crédit il faut survivre. Et donc, on a cherché l'autre moyen de survivre. Le moyen de survivre, c'est prendre des visas, de finir, de faire le maximum d'argent, parce qu'ils n'ont pas fait. Là, ils viennent en pays normal. Ça, ça me dit l'autre temps, là. Pas bien dit, pas le boulet banque, il ne va pas faire rien, boulet banque. Ça, c'est bon, ça ne va pas faire rien, là, vous diable. C'est la quête est faite. Ils n'ont pas rempli mission. Banque commerciale, ils passent à côté mission. Mission banque commerciale, c'est prendre l'argent, prendre des droits, retirer le coefficient réserve obligatoire, banque centrale, maman dollar, et puis tirer ce qui était en dessous de chaque $100 et de 70 dollars, c'est pas lié à crédit à l'économie, il n'y a pas bailli. Mais si on va bailler, écoutez, vous avez de l'argent. Mais quand vous avez fait n'importe quel bon employé, le cognon là, il y a un bon lobby en particulier, et faire l'argent sous deux visions, soit pour le roi,
Et là, on fait l'argent. Mm-hmm. Et puis, il n'y a même pas tête notre service. Il a obligé le service banque là. C'est-à-dire que ramasser comme conseiller d'institution, fait bagaille, ça, vous comprenez, on ne peut pas faire payroll pour l'institution. Mais ramasser comme conseiller pour l'institution, par exemple, vous allez chercher un visa ou vous ramassez pour eux, c'est bon, pour sa taille. C'est des gens qui vivent du pourcentage, c'est vraiment une incapacité de faire quoi que ce soit. Évidemment, nous sommes peuple comme ça tout. Mais toutes bagages sont bananes pour un son, prisonnal pour un côté, c'est une paye, nous payons bagages. Comme si nous n'avons pas internet en Haïti, sont prisonnels pour un peut-être dans la République dominicaine. Nous n'avons pas mettre tête ensemble pour satellite qui sous tête ou à l'équateur, le long canal, et puis au bas internet là. Ce type prisonnel pour l'autre côté. Vous comprenez? Donc ce qu'on s'amuse, ce qu'on s'amuse fonctionner. C'est son capitalisme qui rabougrit en Haïti. Il n'y a pas une capacité de faire des gros investissements, de faire mettre tête ensemble. Vous comprenez? Donc, ouais, c'est ça que fait, ce sont les entreprises de famille qui prospèrent en Haïti. On a un pays entreprise de famille, pas qu'à développer. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de monde qui apporte l'argent dans l'entreprise là, pour l'entreprise à gagner l'argent, pour investir. C'est ça que fait dans le pays d'Haïti, pas une grosse entreprise. Il y a quelques petites entreprises familiales qui ne peuvent pas être dans l'économie. Évidemment, lui, pour employer quelques monde, une centaine de monde. 200 millions au maximum, mais ça n'avance pas l'économie parce que nous sommes une population à peu près de 12 millions d'habitants. Nous avons besoin de grandes entreprises. Comment est-ce qu'on sortit dans ça, économiste Laboussière? Nous allons finir. Ah, mais mon cher, pour sortir comme ça, mon cher, homme politique, pas un monde là qui a pas de réponse. Mais qui ont statut quo, il y a plein de positions. Si politique, c'est que paraître, ou est tout ce petit cobby au vinfé. Mais ce qui est, il faut que les gens puissent changer ça. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui conscientiser pour changer ça. Vous comprenez? Et même pas comment on va changer ça là. Donc c'est peut-être population dans son inconscience collective, on joue grand matin, clévé pour résoudre question. Donc pas compter sur l'oligarchie, il y a quelqu'un positionné. Pas compter pour l'AICEC, l'institution, il y a défendu une position. Mais c'est peut-être pas pour qu'on arrive pour résoudre question. Malheureusement, il n'y a pas de leader pour orienter. Et l'on leader paraît, ou son ex, c'est pas ton vrai leader, c'est ton faux leader. C'est un intérêt personnel, il a besoin. On prend l'achat ton caille, bat ton caille. On prend notre bagaille, ça y est. C'est pas des gens qui vraiment leader charismatique, éclairé, visionnaire, qui ont capacité, qui ont compétences tout, qui pas corrompu, et patriote. C'est mon seul besoin. On pas qu'à joindre. Comment peut-on développer dans ce pays pour sauver le pays en masse critique d'hommes et de femmes qui ont capacité, qui ont compétences, comprendre qui qualifié, pas corrompu et qui patriote. Peut-être ne pas mettre en place ma critique, mais ça ne m'a aucun côté. Merci beaucoup, monsieur Laboussière. Je suis content de faire parler ça à vous. Radio Omega. Et dit Laboussière, amis auditeurs.